Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes presque 55, presque 60, il est 14h01. Je laisse dérouler jusqu'à 14h02 pour démarrer cette présentation du baromètre Back to Business. On a un objectif aujourd'hui, c'est de rendre cette présentation la plus conviviale et la plus interactive possible. Tous les webinaires qu'on a pu organiser ces derniers temps, on l'a remarqué, un énorme besoin d'échanger de la part de tous les acteurs du B2B. Et ça nous a semblé logique de laisser une grande place à l'interaction. Donc pour cela, vous avez un espace de chat qui vous permet, j'ai vu que beaucoup de gens avaient déjà utilisé, donc vous pouvez taper vos questions directement dans cet espace de chat. Vous avez aussi un espace questions d'ailleurs, comme du coup ça fait deux colonnes. Isabelle, qui est en ligne, fait pour nous le travail de récolter toutes ces questions. Donc, n'hésitez pas à les poster où que ce soit. On récupère ces questions-là pour pouvoir y répondre, soit dans le fil de la discussion, soit un petit peu plus tard. Et puis, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, nous avons un sondage. Donc, il suffit de cliquer sur l'onglet sondage. Et vous pouvez répondre et ça nous permet encore une fois d'initier la discussion. Je ne vais pas commenter tout de suite parce qu'il n'y a pas assez de réponses pour l'instant, mais vos feedbacks anonymes, bien sûr, sont les bienvenus. Bon, il est 14h03, on va démarrer maintenant cette présentation du baromètre Back to Business. Et je vais peut-être commencer d'ailleurs, pardon, par présenter les participants. Alors, à droite de l'écran, nous avons Hervé Cabla, qui va peut-être allumer son micro. Bonjour. Voilà. Bonjour Hervé. Peut-être tu peux te présenter en quelques secondes. Oui, je dirige une agence de communication qui s'appelle SNBang et j'ai publié plusieurs livres aux éditions Kawa, dont le dernier qui s'appelle Le confinement expliqué à mon boss, coécrit par 8 auteurs, parmi lesquels Xavier et Yann, en tout début de confinement. Absolument. Xavier, qui a son Bonjour. micro aussi. Moi, je suis l'éditeur de TheVillage.net, qui est un site web pure player en ligne, qui est dédié aux nouvelles formes, nouvelles organisations de travail et aux réflexions sur la transformation du travail. Donc, on est tout à fait dans le chaud de l'actualité. Ouais. Alors, c'est peut-être le seul qui peut répondre. À la question comment se porte votre entreprise? Super bien, mieux qu'avant, parce que ça fait quoi, 20 ans que tu évangélises sur le télétravail. Et maintenant, c'est en train de devenir une réalité. Nous avons Cyril Bladier, qui, avant toute chose, est un survivant du Covid. Alors bravo, raconte-nous un peu ton expérience. Oui, c'est ce que m'a dit un de mes contacts. Tu as Ah, toujours été bien très sûr. en avance. Tu as eu le Covid avant tout le monde. Effectivement, moi, je l'ai eu début mars. Voilà, je suis un consultant spécialiste, on va dire, des stratégies océan bleu sur le digital. Blue Ocean. Et maintenant, nous avons Hervé. Présentons encore Hervé. Allez, Oui, welcome. bonjour, bonjour à tous. Je suis Hervé Gonnet, le cofondateur de GetQuanti, qui effectivement crée aujourd'hui le baromètre Back to Business. Vous connaissez GetQuanti essentiellement pour nos solutions de lead generation, c'est-à-dire qu'on arrive à vous dire qui visite votre site internet. Et aujourd'hui, on va le voir, on a décidé de mettre toute notre data à votre disposition pour pouvoir faire des analyses de marché en temps réel. Voilà, mais c'est tout l'objet du webinaire. Voilà, et à la gauche de Hervé sur l'écran, nous avons Laurent de Harmony. Bonjour. Bonjour. Donc, je suis Laurent Olivier, effectivement, un des 10 directeurs associés de l'agence RSI, agence dédiée au B2B, business to business. Et voilà une excellente transition, puisque justement, nous allons parler du baromètre Back to Business, qui est une initiative lancée par GetQuanti. Il y a quoi, un petit peu plus d'une semaine, Hervé, il m'a appelé et il m'a dit, voilà, on a un truc, c'est fabuleux. Ça permet de voir quels sont les secteurs qui marchent, quels sont ceux qui ne marchent pas. Et pour cela, eh bien, on a mesuré les visites sur 650 sites B2B qui sont monitorés en temps réel depuis sur une période test. Alors, je vais te passer la parole, comme ça tu vas pouvoir nous expliquer en 5 minutes justement ce qui a amené
cette comment dire, création du baromètre Back to Business. Et puis, je reviendrai par la suite un peu sur l'e-book que tout le monde pourra télécharger. D'ailleurs, je vais mettre un lien et vous expliquer un peu comment ça marche, faire une petite démo. Absolument. Merci, Yann. Et puis, donc, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. C'est quand même la première des priorités. Aujourd'hui, effectivement, on est là pour parler du back to business, donc de reprise. Et GetQuanti a décidé de mettre gratuitement tout son capital de données à disposition de vous, donc du public, notamment des entrepreneurs, marketeurs et des commerciaux B2B, dans un but d'entraide. Alors, comment l'idée de ce baromètre nous est venue ? En fait, le besoin était là, il était exprimé par tous, et de manière extrêmement consciente, et voire même de manière anxiogène. Qu'est-ce que ma société va devenir dans les prochains mois ? Mais nous préférons penser ça de manière beaucoup plus positive et de manière proactive. En fait, on entend beaucoup plus d'entrepreneurs et de marketeurs qui disent « Oui, je vais mettre tout en œuvre pour faire repartir mon business. Oui, je voudrais recontacter mes clients. Oui, je voudrais relancer mon activité. » Mais la question qui vient tout de suite après, ben, c'est comment est-ce que je vais arriver à faire ça ? Avec qui ? Et qui est-ce que je dois recontacter ? Et quand est-ce que je dois les contacter ? Donc ça, c'est le premier point. C'est une question que tout le monde se pose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que on a voulu, chez GetQuanti, repenser nos valeurs sociétales. Nos valeurs sociétales, on souhaite les mettre encore plus en avant, puisqu'on a toujours eu des valeurs d'entraide, de partage et d'échange. Comme par exemple la création du think tank, l'ensemble B2B, il y a maintenant 5 ans, avec entre autres des acteurs qui sont ici présents. On a aussi lancé les premières éditions du B2B Summit, qui a lieu, peut-être pas cette année, mais chaque année au mois de juillet, qui regroupe à peu près 1000 personnes du secteur du B2B. Et aujourd'hui, nous souhaitons continuer aussi cet effet d'entraide en vous donnant à disposition donc ce fameux baromètre d'écoute du B2B. Donc, c'est bien dans une logique d'entraide que nous avons pris la décision de mettre l'intégrité de nos données à disposition du marché afin de vous permettre effectivement d'analyser l'impact du coronavirus sur les comportements des décideurs. Et on l'a fait grâce à l'analyse de leur trafic digital. Aujourd'hui, GetQuanti, on a à peu près 650 sites qui sont monitorés par nos serveurs. Et l'analyse qu'on vous propose ici est basée sur 47 millions de sessions du secteur B2B à partir de janvier 2020, puisqu'on a pris cette période-là, de janvier 2020, comme étant la période de référence pré-Covid, avant que toutes les annonces de confinement soient faites. Et aujourd'hui, on monitore ces sites, effectivement, avec l'accord des propriétaires de ces sites, évidemment. Autrement, ils n'auraient pas pu mettre le script. Et aussi, on est en conformité, bien évidemment, avec la réglementation sur les données, la RGPD. Alors, sur ce panel, on mesure la comparaison entre les visites actuelles, c'est-à-dire celles des 30 derniers jours, et celles donc d'avant la crise, celle de janvier 2020. Cette comparaison en temps réel est faite sur à peu près une dizaine de métiers, 20 secteurs, 100 produits et un peu plus de 5000 centres d'intérêt. Alors, comment est-ce qu'on a mesuré tout ça ? Eh bien, GetQuanti est connu pour ses algorithmes d'IA. Et ici, c'est notre IA de sémantique que nous avons fait marcher, c'est-à-dire que chaque visiteur sur un site web B2B, on a pu analyser son parcours et le contenu qu'il a pu consommer, et ce qui nous donne justement ces fameux 5000 centres d'intérêt sémantiques. Alors, dans une deuxième partie, vous le verrez aussi, nous faisons cette fois-ci une analyse, cette fois-ci firmographique des visiteurs de ces sites web. Et vous le savez, c'est un peu notre caractéristique, GetQuanti, de savoir qui visite votre site web, quand est-ce qu'il a visité et qu'est-ce qu'il faut lui dire. Ainsi, nous pourrons vous dire quels sont les types d'entreprises qui ont besoin en ce moment sur les secteurs analysés. Et nous le faisons cette fois-ci par CONAF et par taille d'entreprise. Donc, vous pourrez voir quelles sont les variations. Est-ce que c'est plutôt des grands comptes ou des PME qui sont en demande, ou est-ce que c'est plutôt le secteur, je ne sais pas, des télécoms, du logiciel, des activités comptables qu'il faut recontacter. Voilà. Avant de repasser la main à Yann, pour justement rentrer plus en détail dans ce baromètre, je souhaite vous souhaiter bonne chance à tous dans cette reprise et j'espère que vous serez tous plus armés pour être back to business grâce à ce baromètre B2B et aux excellents conseils que l'on va pouvoir entendre aujourd'hui avec toi, Yann. Yann, je te repasse la parole. Merci Hervé pour ces précisions. Je remercie également Isabelle d'avoir posté le lien. Je vois qu'il y a déjà eu des questions. Est-ce qu'il va y avoir des slides ? La réponse est non, il n'y aura pas de slides. Par contre, il y a mieux que ça. Il y a tout un e-book que vous pouvez télécharger et que je vais présenter d'ici une seconde. On va le balayer rapidement. Et puis, juste après, je ferai une petite démonstration
rapide, parce que l'objectif, il est assez vite d'arriver à vos questions. Je poserai ensuite quelques questions à chacun des participants. Et puis, on ouvrira les micros. J'ai prévu d'arriver à peu près à 14h30 pour qu'on puisse ouvrir les micros le plus vite possible. Donc, je vais maintenant passer sur ce livre blanc qu'on a conçu avec GetQuanti pour rendre l'utilisation du baromètre aisée. Alors, baromètre back to business, pourquoi un baromètre? Je pense que Hervé vient de vous l'expliquer. On nous a remis un petit précis méthodologique partout où c'était utile pour savoir d'où venaient ces chiffres et comment ils étaient calculés. Bien sûr, là où il y avait des avertissements à faire sur la méthodologie, on les a mis dans des petits encadrés pour être sûr que vous ne fassiez pas de mauvaises interprétations. Puis après, on vous a expliqué comment ça marche. Très simplement, en quelques étapes, le bouquin fait 40 pages environ, il n'est pas très très long. Le quoi des visites, je vais y revenir en direct, donc c'est relativement simple. Comment on décrit le processus par étapes? La première étape, choisir son métier, à l'intérieur du métier, son secteur, puis après, à l'intérieur du secteur, le produit. Je vais y revenir, ce sont des termes qu'il faudra peut-être expliciter. Et puis ensuite, vous aurez la possibilité de naviguer à l'intérieur de ces visites par code NAF pour aller voir quelles sont les cibles à privilégier dans la phase suivante en fonction des informations temps réel que vous aurez obtenues. Donc, pour votre information, cet e-book, il est figé forcément à la date où j'ai réalisé l'étude, c'est-à-dire, je crois qu'on l'a finalisé lundi matin. Voilà, ensuite le comment. On va ensuite aller sur les centres d'intérêt et puis l'étape d'après sur la sélection des contacts. On y reviendra puisqu'on va le voir en temps réel si tout marche bien. Puis, on vous a livré également une analyse pour, apporter un éclairage là-dessus, voir comment on peut analyser le baromètre. Alors, pour ça, j'ai choisi un des secteurs, le secteur du logiciel, le métier du logiciel, qui me semblait le plus intéressant par rapport à mon background. Et puis, on l'a comparé aux différents secteurs tels qu'ils sont actifs en ce moment. Je vous ai remis un visuel qui a été fait par le JDD le 5 avril et qui permet de voir le taux d'activité des différents secteurs. Et puis, mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit en temps réel quel est l'intérêt sur les sujets qui sont suscités par ces métiers. Voilà, donc le zoom sur le logiciel avec les courbes, je vais y revenir dans une seconde, mais tout est analysé par le menu. On a pris les logiciels, ensuite on les a décortiqués, logiciels financiers, logiciels commerciaux, etc., etc. Voilà, et puis après, à la fin, on explique comment choisir les cibles qui vous intéressent, si tel est le cas, avec une petite conclusion qui fait un feedback sur un webinaire qu'on a animé d'ailleurs avec Laurent et Hervé il n'y a pas très longtemps sur l'ABM, qui nous semble véritablement une méthodologie de plus en plus intéressante, et notamment en cette période de post-crise. Enfin, on va essayer d'être positif, donc on imagine déjà qu'on est dans la post-crise, parce que ces nouvelles approches de contenu pour la vente sont certainement de plus en plus pertinentes dans un monde où les clients vont avoir moins la tendance à, disons, à être à l'écoute, mais plus à être à l'écoute des gens qui leur donnent des conseils. Et donc, l'ABM est particulièrement intéressant pour ça. Alors, je vais montrer, mais très rapidement, je ne sais plus trop comment on partage. Je peux partager un média, mais je ne peux pas partager mon écran, hein, c'est normal. Hervé ? Non, je n'entends pas. La scène est pleine. Effectivement, là, je pense qu'on a... Je n'avais non plus, désolé. Non, je n'arrive pas. Bon, ben, ce n'est pas grave, on va aller sur les questions, ce qui nous permettra d'être à l'heure, parce qu'on était en train de prendre un peu de retard. En gros, de toute façon, si vous allez dans le e-book, téléchargez le e-book, Isabelle va nous remettre à nouveau le lien ici, c'est equil.link/baro2b-ebook. Ah, il faut fermer le média.
Oui, mais je ne sais pas comment on fait ça. Voilà. Ah, ok. Bah non, je ne peux toujours pas partager mon écran. Bon, ce n'est pas grave. On va oublier ça. Dans le e-book, tout est expliqué. En fait, il y a un truc qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut cliquer sur les histogrammes. Vous pouvez cliquer aussi sur les libellés, mais c'est plus facile de cliquer sur les histogrammes. Et ça va vous permettre un tri successif, hein, un drill down en anglais, qui va vous permettre par filtre successif d'arriver à ce que vous voulez. Donc, vous allez par exemple choisir le métier du logiciel. À l'intérieur, les logiciels de la finance. À l'intérieur des logiciels de la finance, vous allez choisir les logiciels de comptabilité. Et à l'intérieur de la recherche sur les logiciels de comptabilité, vous allez voir ensuite, si tel est votre métier, vous allez voir ensuite les différents secteurs de clients par code NAF qui s'intéressent à ces sujets-là. Bon, on verra forcément la comptabilité aujourd'hui, c'est un sujet qui est fortement en hausse. Vous verrez si les sujets sont plus. Si les clients sont plus à la recherche de tel ou tel sujet, c'est pour ça que c'est en arrivant au dernier écran qui est sur lui de l'analyse sémantique qui permet de suggérer différents thèmes, ça vous permet également de trier les thèmes et de mettre en place une logique pour avoir des contenus qui sont pertinents, des thèmes qui sont recherchés ou qui sont plus intéressants des utilisateurs. Voilà. Et à la fin, une fois que vous avez fini cette recherche par tri successif, eh bien vous allez arriver à une liste de clients potentiels qui sont dans cette liste et éventuellement, vous pouvez en faire une acquisition. Mais pendant cette opération, GetQuanti vous offre les 10 premiers de cette liste que vous pouvez télécharger. Voilà, moyennant quand même l'échange de votre adresse email pour la newsletter, mais voilà, there's no such thing as a free lunch. On va passer aux questions. Donc, si vous permettez, on va commencer par Cyril, notre survivant du Covid. Bravo. Qui est guéri justement, quels sont tes conseils pour relancer les activités de conseil? On verra dans l'article de l'e-book. Les activités de conseil, selon le JDD, c'est moins de 10% d'activité en ce moment. Donc, comment on fait, Cyril, après le 11 mai ou si ça se trouve, peut-être la fin mai d'ailleurs? Moi, j'ai lu des chiffres différents déjà. Donc, la moitié des freelances ont eu peu d'impact. Deux tiers des missions maintenues. 50% sont plutôt très confiants sur l'avenir. Donc, comme quoi, chaque sondage a ses propres résultats. Ici, on a quand même une majorité, tout le monde n'a pas répondu, mais une majorité de gens qui ont quand même l'air de souffrir plus que la moyenne. Bon, ben je sors de cette moyenne, clairement, en dehors des stats que j'ai lus. Mais bon, je ne suis pas le problème de mon cas perso. Moi, je rejoins assez ce que tu as dit tout à l'heure. On a beaucoup parlé de social selling depuis quelques années. Je pense qu'on est aujourd'hui plutôt dans une évolution du social helping, ce qui rejoint ce que tu disais il y a quelques minutes, cette démarche de davantage aider les clients. Je pense qu'on est, voilà, tous ceux qui, comme je le mettais dans mon poste ce matin, font de la vente bourrin, ça ne marchait pas, ça marchera encore moins. Présupposer que un directeur marketing aura besoin de votre solution parce que vous avez une solution pour un directeur marketing, ça ne marche pas. Il faut déjà voilà, rentrer en contact avec lui, échanger et être sûr que ce qu'on a lui vendre correspond à ses problématiques. Et arrêter, voilà, cette démarche de vente extrêmement agressive où on utilise les réseaux sociaux et de l'automatisation pour bourriner à outrance en se disant dans l'eau, il y en a bien que je vais réussir à convaincre. B2B, moi je le vois aussi comme back to basics. Les fondamentaux ne changent pas. Moi, je suis extrêmement surpris, comme je le disais avant qu'on démarre, sur la vingtaine de webinaires que j'ai faites au mois d'avril, où il y a eu plus de 1 600 participants, de paraître comme une sorte d'extraterrestre quand je disais aux marketeurs et aux commerciaux, intéressez-vous à vos clients. J'ai vraiment eu des retours qui étaient, ah bon, vous pensez vraiment qu'il faut que j'ai une communication centrée client? Bah oui, je pense que c'était vrai avant, je pense que c'est encore plus vrai aujourd'hui. Donc je pense que ça, c'est vraiment c'est pas forcément un changement, c'est que ce qui marchait moyennement bien hier marchera encore moins bien demain, et ce qui marchait bien hier marchera encore mieux demain. Et je pense que vraiment, cette notion
de s'intéresser à ses clients, d'arrêter de vouloir vendre à tout prix et plutôt dans une démarche de conseil, accompagnement et aider plutôt que de vouloir à tout prix vendre, ce sont des éléments qui vont être assez essentiels pour un bon retour à l'activité. Merci Cyril. Donc, a priori, plutôt de l'optimisme, ça fait du bien. Alors je regarde le questionnaire, en même temps je ne vois que 20 réponses. Alors il faut absolument cliquer sur le sondage pour nous donner vos avis, qu'on ait une vue plus pertinente de l'ensemble de la salle. Hervé, pendant que tout le monde clique sur le sondage pour donner son feedback, tu as dirigé le livre Le confinement expliqué. Je t'interromps une seconde ou pas ? Parce que là, question de Patrick Guédel sur ce que je viens de dire. Oui, est-ce qu'il faut répondre maintenant ou est-ce qu'il faut répondre plus tard ? Oui, pour les questions, vas-y. Ok, donc Patrick dit travail gratuit. Non, absolument pas. Certainement pas de travail gratuit. À la limite, qu'on rajoute au taux de sa presta de base du gratuit, du style échange avec un expert, du style un webinaire, du style un audit très basique. Oui, pourquoi pas, mais de là, rendre ses prestations au cœur de son activité gratuite, absolument pas du tout. Ça, c'est le meilleur moyen, effectivement, de faire mes boutiques très, très, très vite. Mais on peut tous, notamment en B2B, trouver autour des prestations qu'on vend un petit quelque chose de webinaire, de consultation avec un expert, de séance de co-construction qu'on peut faire gratuitement. Effectivement, c'est possible, mais surtout pas sur ses prestations habituelles. Oui, si vous cherchez à vous occuper, tant qu'à vous occuper, vous pouvez faire du web marketing pour vous, faire du contenu, faire des webinaires. Hein, tant qu'à donner des choses gratuitement, autant les donner pour qu'elles puissent vous rapporter quelque chose par la suite. Et c'est à cela aussi que le baromètre B2B peut servir. Hervé, donc tu as dirigé le confinement expliqué à mon boss chez Kawa. Alors, est-ce que tu envisages d'écrire maintenant le déconfinement expliqué à mon boss ? Si tu as compris ce qui s'est dit avant-hier, parce que moi, j'ai rien compris. Non plus, j'ai rien compris. Et je pense que le déconfinement, le micro est mis là ? Non, c'est bon, ouais. T'entends. Donc le déconfinement, il va durer très longtemps en réalité. Ne serait-ce que parce qu'il ne faut pas penser des confinements uniquement à l'échelon local, mais à l'échelon global. En B2B, il y a pas mal de boîtes qui travaillent avec l'international et les échanges internationaux, jusqu'à nouvel ordre, vont être relativement gelés pour pas mal d'activités. Donc, le déconfinement expliqué à mon boss n'est pas vraiment à l'ordre du jour. Le livre qu'on a écrit, il est né un petit peu dans l'urgence, assez rapidement, en fait, la première semaine. Via des échanges que j'ai eus avec d'autres collègues patrons d'agence dans d'autres pays, notamment un Français qui est installé en Chine et qui voulait partager son expérience, son vécu, puisqu'il avait à peu près 2 mois d'avance sur les autres. Mais c'est un petit peu comme Cyril, il avait de l'avance, mais sur le confinement. Et en gros, ce qu'il disait, c'est qu'il y a 3 réflexes à avoir immédiatement. Le premier, c'est s'occuper à fond de sa trésorerie et vérifier que les factures en cours vont bien rentrer, peut-être mettre la pédale douce sur un certain nombre de règlements, profiter de toutes les initiatives d'aide disponibles parce que les mois à venir vont être très très difficiles. Le deuxième, c'est de communiquer, et je rejoins ce que dit Cyril, il faut communiquer dans une démarche d'entraide. On peut apporter beaucoup à nos clients, il ne s'agit pas de faire du non facturé, mais il s'agit d'être beaucoup plus près d'eux en utilisant les outils digitaux qui sont à notre disposition. Et également communiquer en interne, parce que je pense que vous le constatez tous, au terme de déjà 6 semaines de confinement, certains membres de nos équipes sont complètement à l'ouest, parce qu'ils ont perdu ce lien social physique qui les entretenait au bureau. Et puis le troisième élément, c'est de préparer l'avenir, parce qu'on ne sait absolument pas de quoi il sera fait, on ne sait absolument pas comment évolueront nos différents marchés, quelles sont les priorités des clients et des clients de nos clients, et que c'est dans ces moments-là que surgissent parfois de bonnes idées, de très bonnes idées ou de très mauvaises idées. Donc c'est un moment où, au lieu de faire du delivery à 200%, il faut peut-être penser un peu plus stratégie. Ok, merci Hervé. La transition est toute faite. Les équipes sont un peu perdues, nous disais-tu. Xavier, finalement, cette période de confinement dont David d'ailleurs
nous explique que c'est un mot français. Alors, pas tout à fait, c'est également un mot anglais, mais au sens global du terme, on parle de lockdown en anglais. Mais donc, ce confinement, ou lockdown pour les anglophones, est-ce qu'il a eu un impact psychologique sur les personnes, comme, un peu comme nous signalait Hervé, les gens qui sont un peu perdus, qui ne savent plus trop où aller ? Oui, ça c'est certain. On parle même de troubles psychosociaux. On a des gens qui sont sous tension, forcément. D'autant plus qu'on a beaucoup parlé du télétravail, mais on n'est pas dans une situation réelle de télétravail. On est dans une situation de confinement, de télétravail forcé, alors que normalement, le télétravail, ça se pratique sur la base du volontariat. On est en situation de télétravail à la maison, 5 jours sur 5, et parfois avec des petits-enfants. Donc, c'est vraiment accumuler toutes les difficultés. Donc, c'est pas étonnant qu'au bout de 2 mois, on ait des gens qui soient un peu proches du burn-out parfois, un peu déprimés, qui dorment mal. Voilà, c'est tout à fait con. La productivité a baissé alors qu'habituellement, en télétravail, elle augmente. Tout simplement parce que ce sont des circonstances absolument exceptionnelles qu'aucun de nous n'a jamais connues. Une sorte d'échange dans le chat, alors j'en profite, hein, je rebelote les questions. David Fayon nous dit le pire du côté sanitaire est derrière nous. Ça. J'espère. Inch'Allah. En revanche, économiquement, c'est l'inverse. Les 250 000 chômeurs de plus en mars ne constituent malheureusement que l'apéritif. Hervé Gonnet, tu as peut-être... Hop, avec un micro, c'est mieux, Hervé. Effectivement, je vais le faire. Ça marche. Voilà, merci. Voilà. Oui. Que tu peux répondre à notre ami David. Alors, ce qu'il faut voir tout simplement, c'est que globalement, sur le secteur du B2B, on a vu une baisse en février. Mars est revenu à peu près à ISO par rapport à janvier. Et on revoit une baisse au mois d'avril, mais c'est quand même léger. C'est de l'ordre de moins 13%, par exemple, au mois d'avril. Ce qu'il faut maintenant analyser de manière beaucoup plus fine. Le secteur du B2B a l'air de s'être stabilisé, il ne s'est pas écroulé, clairement. Il n'a pas fait non plus un bond de plus 30%, comme on a pu le voir sur le site web en B2C, donc il n'y a pas eu ça. Donc, on va dire qu'il y a une légère baisse. Par contre, ici, ce que j'ai mis ici, c'est qu'il y a des secteurs, si vous allez directement sur le baromètre, qui marchent mieux que d'autres. Donc, c'est pour ça que cette, quelque part, stabilité, il faut la voir avec des secteurs, par exemple, tout ce qui est logiciel, formation, la finance, l'informatique, qui sont... plutôt en forte hausse, avec du plus 30%, toujours pareil par rapport à la période pré-Covid, c'est-à-dire janvier 2020. Et ce qu'il faut regarder maintenant, c'est est-ce que ça va augmenter ou pas à partir du déconfinement, à partir du 11 mai. Donc, c'est pas aujourd'hui est une base. Ce qu'il faut maintenant aller voir, c'est regarder le 11 mai, le 30 mai, le 10 juin, revenir régulièrement sur ce baromètre et voir quels sont les secteurs qui sont à la hausse. Et maintenant, quand j'en parle aussi avec d'autres acteurs que j'ai pu interroger là-dessus, effectivement, la formation a l'air de bien repartir. Alors, je ne suis pas expert là-dedans, mais ils me disent qu'il y a pas mal d'aides du gouvernement aujourd'hui pour que les gens se forment online avec justement des subventions et voire même du financement qui est fait de cette formation, ce qui explique la montée de la formation en termes digital. Et toujours pareil, je pense qu'il n'y a personne de mieux que vous pour exprimer et expliquer en fait votre propre secteur d'activité. Donc, moi, je connais bien le logiciel du marketing parce qu'on est dedans. Nous, on a connu plutôt une forte hausse entre mars et avril. Et aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que les choses vont se concrétiser encore en juin, juillet, août, septembre. La véritable question, c'est est-ce que ça va repartir ? La réponse est oui, mais à quelle vitesse et quand est-ce que ça va réellement partir ? C'est pour ça que ce baromètre est intéressant parce qu'il tout de suite, il va vous donner en fait les tendances pour voir quels sont les secteurs d'activité, voir les clients que vous devriez recontacter. Alors, peut-être, merci Hervé, passer la parole à Laurent. Qui a une longue expérience sur ce domaine du B2B. Comment tu vois peut-être les différences de secteur à secteur et comment tu vois les choses repartir ? Merci. Effectivement, on voit des choses effectivement un peu différentes selon les secteurs. Et nous, dans les activités, effectivement, l'événementiel était fortement arrêté. Et après, nos clients dans les technologies et les clients dans les Américains, on va dire,
sont eux plutôt à surinvestir en essayant de maintenir une activité différemment. Et donc, sont pas du tout dans une démarche de couper, mais sont plutôt dans une démarche de faire différemment pour aller chercher néanmoins ce business. Et différemment, c'est surtout avec plus de digital, plus de webinars, plus de formats où on va créer une expérience online. Et puis nous, qu'est-ce qu'on leur dit et qu'est-ce qu'on conseille et un peu notre vision des choses sur ce monde après, on va dire. Nous, on dit aujourd'hui clairement, il faut monter encore en son exigence, à la fois sur le fond. Les entreprises doivent se poser des questions sur leur rôle, la mission, en quoi une marque est utile. Aujourd'hui, clairement, on se recentre sur des choses utiles et des fondamentaux. Plus d'exigences aussi sur la forme. On a vu aussi toutes les dissonances en termes de communication auxquelles on a vécu, notamment un peu sur les masques. Voilà. Donc aujourd'hui, la communication interne, la communication externe, l'incarnation par le manager, la direction, pour rassurer, pour expliquer. Et puis l'exigence aussi, c'est avoir une forme d'agilité. Tout le monde doit accepter que son job évolue et que ben voilà, c'est une bonne nouvelle parce que de toute manière, il n'y a pas de choix et qu'il faut être agile aussi, l'entreprise et les collaborateurs également. Merci Laurent. Il y a une nuée de questions sur les webinaires. Ça m'étonne d'ailleurs qu'on n'ait pas encore parlé de Zoom. Ça viendra. Sur ce que vient de dire Laurent. Oui. Oui, effectivement, il y a, comme tu as commencé à dire, il y a des secteurs hyper touchés, tu as parlé de l'événementiel. Moi, j'avais un prospect dans le tourisme B2B qui était sur le point de me valider une commande à 200K le 5 mars et qui était à 0K le 15 mars. Donc, tous les budgets coupés, et il était assez catastrophé, il vient prendre ses fonctions. Le DG du groupe vient de prendre ses fonctions. Et dans le même temps, c'est paradoxal parce qu'à la fois, il a eu tous ses budgets externes coupés. En même temps, il a eu l'autorisation par l'actionnaire de créer deux postes de dirigeants dans le truc. Donc, à la fois, tu as une coupe assez claire dans tout ce qui est prestat extérieur, etc. Et en même temps, il a l'autorisation dans cette période, et il en a recruté un et l'autre est en cours, de recruter deux dirigeants pour les filiales du groupe. Donc, c'est sur des créations de postes, hein, pas sur des remplacements. Donc, c'est un peu paradoxal. Quand tu rentres dans le détail, il n'y a pas que la partie extérieure, il y a aussi ce qui se passe en interne. De l'extérieur, tu dis, il est dans le tourisme, c'est une catastrophe, tout est coupé, etc. Ils ne font plus rien. Et en fait, l'actionnaire a validé la création de deux postes de dirigeants. Oui. Bon, et peut-être un petit peu tôt encore pour tirer des conclusions sur, notamment sur les emplois et tout ça. Je vois à l'instant même une news qui tombe sur les téléscripteurs de Wall Street Journal. C'est la semaine dernière, hein, c'est 3,8 millions d'Américains qui sont allés pointer au chômage. Alors, donc, c'est peut-être aussi les économies ont une façon un peu différente d'encaisser le coup. Je voudrais répondre à l'énorme masse de commentaires qu'on a sur les webinaires, parce qu'on a parlé justement du webinaire comme un moyen, enfin, le digital et le webinaire en particulier comme un moyen de s'en sortir et de continuer à rayonner. Et on me demande un peu partout, est-ce qu'il n'y aurait pas une webinar fatigue? Peut-être Xavier? C'est vrai qu'on en bouffe du webinar, mais dans le fonctionnement des entreprises, ce qu'on constate, c'est les entreprises qui sont passées de la réunion présentielle, de la réunion tunnel de 3 heures en présentiel à la webconférence de 3 heures. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas profité de l'événement pour adapter leur réflexion, adapter leurs usages aux outils. Une réunion de 20 minutes en ligne, c'est la plupart du temps parfaitement suffisant. C'est un peu comme les stand-up meetings. Des réunions très opérationnelles, on va à l'essentiel, bon pour action, des responsables, voilà. Et on n'a pas besoin de 3 heures de réunion pour ça. Donc, moi j'ai des retours de témoignages de gens qui sont épuisés à la fin de la journée parce qu'ils ont passé 4-5 heures en réunion devant des écrans, ce qui est beaucoup plus fatigant qu'en présentiel. Donc ça, c'est certain, il y a un peu un ras-le-bol. Alors,
Est-ce que c'est juste un signal faible? Est-ce que c'est une réalité massive? Ça, je n'ai pas d'éléments pour en juger. Si je peux me permettre, Xavier, je pense que beaucoup d'entreprises, ce mode de travail à distance, le télétravail, est une découverte. Le télétravail était, comme l'explique Bertrand Duperrin dans le bouquin, un cadeau qu'on accordait à certains salariés, plus ou moins privilégiés, en fonction du contexte. Là, tout le monde bascule, comme je l'ai dit, en télétravail. C'est 100% d'une boîte qui bosse à distance. Le conjoint est aussi en télétravail. Les gosses sont en télétravail. Moi, mes gosses viennent me voir en me disant « j'ai une conf call à 14h30 ». Vous imaginez l'inversion de vocabulaire. C'est un nouveau mode. Et lorsqu'on change de manière aussi radicale, on est complètement déboussolé. Et c'est humain de se raccrocher à ce qu'on connaît le mieux, c'est-à-dire la longue réunion de 1h30, 2h, 3h parfois, à 30 personnes où tout le monde est en mute. Bien sûr, c'est une bêtise. Nous avons l'expérience, mais attention, nous avons un biais. Nous venons d'un univers très digital, nous six. Nous sommes pour beaucoup dans l'univers lié à la communication. Le mot webinar est un mot qu'on pratique depuis des années, alors que pour certains, c'est une découverte totale. Il ne faut pas oublier que l'apprentissage ne va pas se faire en une demi-journée pour ces gens-là. Donc, ils vont avoir besoin d'essuyer les plâtres, ils vont avoir besoin petit à petit de comprendre ce que nous avons compris, c'est qu'il faut changer de logiciel. Lorsqu'on bascule dans un monde où les seuls échanges physiques qu'on a, c'est avec son conjoint, ses gosses et basta, on ne peut pas utiliser le même logiciel qu'auparavant. Les interactions ne sont pas les mêmes. Et c'est un point essentiel sur lequel il faut de la patience et de l'éducation. D'ailleurs, si je peux juste ajouter une petite chose, on peut l'élargir au management en général, parce que les managers ont été, enfin ceux qui ne pratiquaient pas le télétravail, ont été un petit peu, enfin même grandement, on leur a enjoint de s'occuper de leurs équipes à distance, sans aucune formation, sans aucune réflexion, parfois même sans les outils. Ils ont découvert les outils comme ils pouvaient. Et ce qui manquait effectivement, sont des managers, la plupart du temps, ça pouvait être des bons managers, mais ils n'avaient pas le savoir-faire, ils n'avaient pas été sensibilisés au fait qu'il fallait peut-être plus de patience, comme tu le disais Hervé, plus d'empathie, peut-être surinvestir en communication un petit peu pour aller au-devant des collaborateurs qui étaient un peu perdus. Et c'est vrai que ça handicape beaucoup les entreprises, mais c'est effectivement pas une surprise. Et finalement, on revient à la question, en dehors de la webinar fatigue, vous ne croyez pas qu'il y aura, au-delà de cela, parce qu'en ce moment, tout le monde s'excite sur le télétravail, ça y est, on a enfin réussi, ça fait 20 ans, enfin pour ma part, ça fait 30 ans qu'on en parle et qu'on le met en place, et ça a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps en France pour rentrer dans les mœurs, non, le télétravail, c'est pas pour moi, et puis maintenant, là, ça y est, on y est arrivé. Tout le monde fait du télétravail, mais en fait, ce n'est pas vraiment du télétravail. Même moi qui suis un fanatique, là, je commence à saturer un peu. J'aimerais bien voir des vrais gens. Et est-ce qu'il ne va pas y avoir, peut-être Cyril, un retour de bâton? Qu'est-ce que tu en penses? Bon, en fait, le télétravail, moi, ça fait 10 ans que j'y suis, puisque j'anime un GIE et que les membres du GIE sont en province. Et une bonne partie à l'étranger. Donc voilà, je suis pas pour l'entreprise, ça change beaucoup de choses, c'est clair, mais à mon niveau, pas grand-chose, puis je me suis habitué assez facilement quand j'ai dû m'y mettre. Effectivement, le contact humain manque beaucoup. Si je reviens sur le sujet webinaire, moi, je reprends la série que j'avais organisée au mois d'avril, où j'ai fait un webinaire tous les jours, à partir du 6, donc j'en ai fait 18. J'ai pas senti du tout de webinaire fatigue. J'ai eu Zoom me limitait à 100 personnes et j'ai eu à chaque fois entre 85 et 95 participants. Des webinaires devaient durer une heure, ils ont duré 2h, 2h15, 2h30, 2h45. 2h45 derrière un écran à suivre Cyril Blédier qui parle avec son image dans un coin de l'écran et centré sur son profil LinkedIn. Et ça, c'était quand c'était LinkedIn, mais hier, j'ai fait stratégie digitale. J'avais rien à montrer, c'était du live chat, donc il y avait juste ma tête à voir et rien d'autre. Donc, webinaire fatigue, je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a une surprésence aujourd'hui. Christelle de Foucault a fait un très bon post ou article, je ne sais plus, sur LinkedIn il y a quelques jours. On peut penser que, néanmoins, ça répond aussi à un besoin, une attente. Et au-delà de ça, je pense que dans l'analyse faite par Hervé et ses équipes,
sur des, la baisse de trafic dans certains secteurs B2B. Je me suis demandé si en fait, justement, j'ai fait un lien avec ce sujet des webinaires, et je me suis en fait demandé si les gens ne sont pas allés chercher l'information sur des sites différents, c'est-à-dire que précédemment, tu allais chercher de l'info et tu allais te former sur des sites de players, de concurrents, d'acteurs du marché, etc. Et je me suis demandé si, notamment sur le B2B, avec la suroffre qu'il y a eu de webinaire, on a tous reçu 15 mails par jour avec un webinaire. En fait, il n'y a pas juste eu un changement d'usage ou une adaptation à la situation. Et les gens se sont dit plutôt que d'aller me former ou m'informer sur le site d'un prestataire qui, de toute façon, me donnera les choses vues de son point de vue. J'ai plutôt allé suivre des webinaires d'experts du domaine qui seront plus peut-être agnostiques en termes de techno ou autre et qui m'apprendront beaucoup de choses. Et je me demande en fait si ce n'est pas juste un transfert qu'il y a eu. Comme à mon niveau, donc j'ai des outils beaucoup moins élaborés que ceux de GetQuanti. J'ai fait un article en début du mois qui était sur quel site internet les Français vont pendant le confinement, donc où est-ce qu'ils se baladent pendant le confinement. Et j'avais vu que LinkedIn explosait. Et en fait, ce que je me dis, c'est que ce n'est pas forcément LinkedIn qui a explosé, c'est que il y a eu un transfert d'usage de LinkedIn mobile à LinkedIn PC. Donc effectivement, le trafic LinkedIn PC a complètement explosé depuis le début de l'année. Et tu as beaucoup de gens qui ont commenté mon article en disant « Waouh, LinkedIn, ça explose depuis le début de l'année ». Je ne suis pas sûr. Peut-être que LinkedIn, au global, depuis le début de l'année, leur volume se casse la gueule et que c'est juste un transfert de mobile à PC, un changement d'usage, adaptation au fait que tu es chez toi et que tu n'es plus en déplacement, tu ne regardes plus LinkedIn sur ton mobile, mais sur ton PC. Du coup, tu as un trafic LinkedIn qui explose, mais ça ne veut pas dire que l'ensemble soit supérieur. Merci Cyril. Ça ne faisait que confirmer ce qu'on pouvait imaginer, c'est que dans le classement des 10 sites qui ont le plus profité du confinement, on doit retrouver, je ne sais plus, 2-3 sites porno. C'était assez révélateur de ce que les Français faisaient pendant le confinement. Clairement, j'ai le top 10 sous les yeux, il y a 3 sites porno dans le top 10. Un petit peu moins B2B, d'ailleurs, ces sites-là ne sont pas dans le baromètre, je le précise. beaucoup de questions sur le télétravail, peut-être pour notre ami Xavier. Question ou remarque d'ailleurs. David nous dit nous allons probablement converger vers un juste milieu, mais clairement plus de télétravail par rapport à des réunions où les déplacements sont longs, coûteux. Il n'y a pas une journée qui passe sans qu'on ait un sondage. Est-ce que les gens vont télétravailler ou pas après le 11 mai? On a les deux types de signaux et on a les deux types de résultats. Les gens qui vont confondre confinement et télétravail et qui vont avoir un peu ras-le-bol, qui vont avoir envie de rentrer au bureau, sachant qu'on ne pourra pas forcément tous aller au bureau. Enfin, je ne parle pas pour moi, parce que moi j'y suis au bureau, je suis chez moi. Tout le monde ne pourra pas retourner au bureau tout de suite dans les mêmes conditions qu'il y a 2 mois, ça c'est sûr. Et puis on a les gens qui vont réaliser que, en fait, pendant 2 mois, ils ont fait quelque chose qu'on leur disait qu'il était impossible de faire. C'est-à-dire qu'on a accepté qu'ils soient loin de l'entreprise et que le travail continuait quand même. Plus ou moins bien, mais ça, grosso modo, ça marche. Et donc, il va y avoir une attente, peut-être, et une demande, une exigence des salariés à la transformation du monde du travail. Probablement pas 5 jours sur 5. C'est d'ailleurs non recommandé dans les bonnes pratiques. Hein. On estime qu'au-delà de 3 jours, ça devient un peu plus compliqué, sauf exception. Et donc, je pense qu'on va avoir une prise de conscience, même si tout ne va pas changer, évidemment, à partir du 12 mai. Mmh. Alors, en tout cas, à propos de sondage, je répète que notre sondage est toujours ouvert. Beaucoup plus de réponses maintenant. Une majorité très large, environ 65%, déclarent que la vision de l'avenir sera assez dure, nous allons souffrir pendant 6 mois au moins. Mais enfin, ce n'est pas complètement noir. La première case douloureuse, nous allons devoir serrer la vis, voire déposer le bilan, il y a une seule réponse, 2%, c'est dommage, mais il n'y en a finalement pas tant que ça. Et puis, mais peut-être notre panel est un peu décalé, et donc justement, je vais me tourner vers Laurent, parce que je crois que c'est Pierrick qui fait remarquer
Pierrick Chéniaud, qui nous fait remarquer que oui, pour les gens qui vendent de l'immatériel, bon, bah, finalement, on arrive à se débrouiller. Mais pour les gens qui vendent du matériel, ah, ça, c'est beaucoup plus difficile. Oui, effectivement, vu qu'on a du mal à se déplacer et aller physiquement voir et livrer ce matériel, ça rend les choses plus compliquées. Après, je dirais juste un mot sur le trafic web et les comportements marketing, comme vu que c'est des sujets que moi je maîtrise mieux. Effectivement, comme le disait le baromètre, on a constaté une baisse de trafic. Et en même temps, on a constaté, nous, des taux d'ouverture beaucoup plus forts sur les emails, parce que, pas effectivement, comme on est 8 heures devant sa webcam à faire du télétravail ou du Zoom ou de la webconférence, ben, en parallèle, on lit quand même un peu plus les emails. Donc, versus quand on est en réunion ou ben, sortir son ordinateur, c'est quand même pas facile. Et donc, on a constaté des taux d'engagement plus forts. Sur les emails, dire aussi sur LinkedIn qu'on a constaté effectivement, comme disait Cyril, une explosion du trafic desktop, et là aussi des taux d'engagement plus forts, des taux de clics plus forts, et donc on peut peut-être dire qu'on s'est tous raccroché un peu à sa communauté, et qu'en même temps on a vu les coût LinkedIn s'effondrer, le CPC hein, LinkedIn s'effondrer, parce qu'effectivement beaucoup d'annonceurs avaient coupé les budgets et sont disparus du trading sur LinkedIn, et donc bah, en fait des campagnes qui ont mieux performé parce que bah, un reach plus important et un coût plus faible. Voilà, est-ce que ça va perdurer? Certainement que non, mais il y avait quelques coups à faire début avril à ce sujet. Merci Laurent, une bonne nouvelle, les coûts par clic ou coûts par action chez LinkedIn ne sont pas chers, donc c'est le moment d'aller chez Arrive. Ça remonte. Pour faire le plein. Il faut se dépêcher justement. Oui, d'autres, peut-être une autre remarque, Hervé, sur la façon dont les employés vont reprendre après par la suite. Enfin, je sais que toi, tu ne crois pas au déconfinement, mais enfin, à un moment, on va peut-être les sortir du frigo quand même. Alors, lequel des Hervé, parce qu'il faut que tu précises. Ah oui, Hervé, pardon. Excuse-moi. Je regardais le bas de l'écran, je pensais que tu me voyais. Donc, le déconfinement va-t-il avoir lieu d'un seul coup de baguette magique? Non, ça c'est clair. Ça va être progressif par région, ça va être progressif par métier, ça va être progressif parce qu'on ne va pas tous envoyer nos gosses à l'école. Moi, je sais que personnellement, je ne les enverrai pas pour passer 3 semaines et prendre des risques supplémentaires. Et puis, je reviens sur le point, mais c'est soulevé dans le chat, hein. On parle entre nous, nous sommes des acteurs du digital. Beaucoup des gens qui assistent à ce webinaire sont des gens qui évoluent dans un univers digital. Je rappelle que le B2B, c'est aussi constitué de secteurs industriels où on a besoin d'une présence physique, on a besoin de matériel. La construction, ça ne se fait pas derrière un ordinateur. L'armement, l'aéronautique, l'automobile, les sous-traitants, enfin, on parle de secteurs industriels qui sont à l'arrêt. N'oubliez pas que l'effondrement du tourisme et des loisirs durant les quelques mois qu'on a traversés va avoir des répercussions sur les chaînes qui alimentent ces secteurs industriels avec leurs produits. Airbus, le patron d'Airbus prévenait que les jours difficiles étaient devant eux. Boeing était déjà dans la nasse depuis quelques années avec l'histoire du 737 MAX. Ça ne va pas être complètement anodin, ces problèmes-là. Donc le retour à la normale pour les salariés, je n'y crois absolument pas. Et moi, j'aurais plutôt tendance à dire qu'on est aujourd'hui dans la partie un petit peu plane de l'exponentiel, mais qu'on a, on n'a pas encore réellement souffert de la crise économique qui va suivre. Hein, ouais. En septembre 2008, on ne savait pas à quelle sauce on serait mangé fin 2009. Vous vous doutez que ça va être beaucoup de remarques, beaucoup de remarques sur ces sujets, y compris sur la pression fiscale qu'on risque de subir. Bon, on n'est pas là pour faire de la politique, mais enfin, on se doute bien que ce qui a été dépensé sera remboursé. Frédéric Lucard nous fait remarquer que dans les banques et les assurances, on prévient les employés qui se resteront en télétravail jusqu'à fin septembre. Il y a eu également un article assez intéressant dans le JDD la semaine dernière sur le nouveau siège d'Orange qui est en train de se construire
et où il se pose des questions, des questions fondamentales, parce qu'en fait, le nouveau siège a été fait pour être en flex office, donc c'est-à-dire aucun bureau associé, hein, c'est ce qu'on appelait le hotling avant, c'est la possibilité de louer un desk et puis de partir et d'aller et de venir. Mais justement, dans un environnement où il est difficile de se mettre à plusieurs dans un bureau, et alors notamment, et je suis bien placé pour le savoir puisque je suis dans l'un d'entre eux, les espaces de coworking aussi risquent peut-être de boire un bouillon aussi, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être Hervé Gonnet, qu'est-ce que tu en penses? Alors, on a regardé justement l'état du baromètre, parce que nous, c'est ça qui nous intéresse, c'est avoir un point de vue d'expert par rapport à ça. Mm-hmm. Il se trouve qu'en ce moment, la courbe du déménagement, des gens qui veulent déménager ou changer de lieu, etc., enfin bref, la question du lieu a l'air d'être à la hausse. Donc, il y a pas mal de gens qui se posent des questions de comment est-ce que je vais travailler demain, est-ce que je vais travailler au bureau ou pas. En tout cas, c'est ce que l'indice du baromètre donne. Ouais. Pareil aussi sur les, j'ai répondu tout à l'heure sur les aspects matériels, mais aujourd'hui en tout cas il y a beaucoup de demandes sur, alors peut-être du service, alors c'est aussi le service, il ne faut pas le prendre que digital, il y a des gens aussi qui se déplacent, en tout cas il y a des gens qui se déplacent pour faire du nettoyage, pour faire de l'isolation, donc en ce moment ce sont des secteurs qui sont franchement en forte augmentation aussi. Donc moi mon message par rapport à vous, c'est qu'il ne faut pas que donner des messages anxiogènes. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une crise, on le sait, mais ça, quelque part, il faut arrêter de se matraquer et de se dire que voilà, c'est comme ça. Même si les choses vont avoir du mal à bouger, il faut se dire maintenant, c'est comment est-ce que je fais pour avancer, comment je fais pour m'en sortir, et quels sont les secteurs sur lesquels il faut peut-être que je mise un peu plus aujourd'hui. Donc, il y a des pistes, ça existe. Maintenant, est-ce que ça va durer 3 mois, 6 mois, peut-être il y en a qui parlent d'années sur le sujet, c'est encore oxygène, mon discours, mais… Et alors, bon, très bien, et c'est un fait. Maintenant, il faut faire avec, il faut s'adapter, il faut être agile, il faut peut-être savoir changer. Alors, c'est peut-être pas facile, hein. Je travaillais avec une société qui faisait justement de la formation en présentiel dans des centres de formation. Ben, du jour au lendemain, il a fallu, alors qu'ils n'avaient pas du tout passé le stade du digital, ils mettent une offre de formation en ligne très, très rapidement. Donc, il y avait un cartoon que j'aime bien, où on voit quelqu'un dans son bureau qui parle à ses employés et qui leur dit « Vous savez, moi, le digital, en fait, on n'a pas réellement besoin, ça marche très bien comme ça. » Juste à côté, je ne sais pas si vous voyez, il y a un gros boulet marqué qui est en pleine vitesse et qui va venir exploser complètement le bâtiment et le bureau de ce monsieur qui se dit « Je ne veux pas passer de manière digitale. » Donc oui, le digital est une façon d'y arriver. Maintenant, tout le monde ne pourra peut-être pas y passer, mais en tout cas, c'est en tout cas un vrai boulet qui va venir défoncer un peu l'ensemble des activités qui étaient juste mortards jusqu'à maintenant, quoi. Intéressant, ces remarques sur les recherches pour le déménagement. Effectivement, il y a eu un boom aussi sur les, ça a été annoncé par les Échos, sur les achats de maisons de vacances. Quand même assez étonnant en cette période. Enfin, peut-être aussi quelques personnes qui cherchent à protéger leurs économies en les rendant un peu plus solides. Tu as aussi une forte hausse du trafic vers les sites automobiles. Ah oui. Un des dirigeants de je ne sais plus quel, je ne sais plus si c'est un comparateur ou mandataire, qui disait qu'en fait, il pense dans l'univers automobile que beaucoup de gens voudront plus prendre les transports en commun pour les questions de destination de distanciation sociale, que du coup il y aura un boom des citadines. Et quand tu vois en parallèle ce qu'en ce moment Renault matraque à la radio comme publicité sur la Zoé, c'est juste pas un quart d'heure de radio sans avoir 25 pubs sur la Zoé. Probablement, voilà, il y a aussi ce type de comportement qui est envisagé aujourd'hui. Ça ne va pas être très facile pour les vélos, contrairement à ce qu'on dit, je pense. Il y a une transition intéressante entre ce que disait Hervé tout à l'heure sur la formation et justement ce qu'a fait remarquer Pierrick tout à l'heure sur les possibilités d'avoir des aides sur les formations en ligne, en e-learning. Mais problème, il faut trouver des gens qui sont capables de les délivrer. Effectivement, pour être dans une école, on a remarqué ça, il y a des gens qui n'arrivent pas vraiment à se débrouiller, enfin des formateurs plutôt qui n'arrivent pas à se débrouiller pour passer leur formation en ligne. Est-ce que tu vois, par exemple, Hervé Cabla, un échappatoire là peut-être aussi à l'aspect lassitude dont tu parlais tout à l'heure pour les employés, pour se changer les idées de temps en temps, faire de la formation? C'est peut-être pas idiot, formation en c'est ligne. C'est pas idiot, mais
On prend un employé qui est au chômage partiel pendant trois quarts du mois, le reconnaît dans une formation, c'est une bonne idée, je ne suis pas certain que ça va être super efficace. Oui. Pensez, vous qui êtes tous actifs et hyper actifs derrière des webinars, pensez à ceux qui, aujourd'hui, ont complètement shifté de mode de vie depuis six semaines, se lèvent à 10h30, se demandent ce qu'ils vont faire de leur journée, dépriment, passent leur vie devant la télé ou je ne sais quoi, et se posent de réelles questions sur la suite. Discuter avec des dentistes, par exemple. Ce n'est pas du B2B, le dentiste, mais ce sont de très très bons thermomètres d'ambiance, parce qu'ils ont une certaine capacité à capter ce qui se passe autour d'eux. Ils discutent beaucoup. Là, aujourd'hui, ils sont au bout de nulle part, hein, les dentistes. Discuter avec des professions que vous n'êtes pas habitué à rencontrer. Alors je souhaiterais intervenir, Hervé, là-dessus, sur justement, non pas les aspects formation, mais sur l'aspect digital. Alors, ma femme est médecin. Elle est, du coup, aujourd'hui, ben, au front, etc. Et du coup, elle s'occupe, elle, d'adolescents qui ont des problèmes psychologiques et psychiatriques, puisqu'elle est psychiatre d'adolescents. Et en fait, à partir de maintenant, ça y est, l'hôpital est en train de mettre en œuvre des téléconsultations à distance, d'être mettre en œuvre en fait des nouvelles façons d'interagir avec les patients. D'ailleurs, on l'a vu aussi pour tous ceux, peut-être toi comme Cyril, qui a eu le coronavirus. Finalement, il y a aussi des questionnaires en ligne qui sont mis à disposition des gens pour répondre et pour suivre justement les choses. Donc, il y a des possibilités, et voire même derrière, peut-être que ça va permettre d'accélérer un certain nombre de services qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir tous les jours. Et le seul problème que je vois là, c'est la discussion que je peux avoir avec elle un peu le soir pour lui monter le moral déjà. Et puis deuxièmement, c'est que finalement, c'est peut-être la rigidité des grosses organisations qui va être le frein pour passer à des aspects plus agiles ou à des aspects de changement. Donc, moi, je suis plutôt optimiste, hein. Je dis pas que tout va bien se passer. Il y a des choses qui peuvent bien se passer et je pense qu'il faut justement y penser et les mettre en œuvre. Oui, on a quelques messages d'ailleurs assez optimistes dans notre chat. Il y en a par rapport au matraquage fiscal de tout à l'heure, il y en a qui prétendent au contraire qu'il n'y en aura pas. Enfin, on ne sait pas trop, mais effectivement, une remarque qui me fait penser à cette chose-là dans ce que dit Hervé, c'est que finalement, quand on reste inactif dans ces périodes de doute, on ne fait que ressasser les incertitudes. Et ça, ces incertitudes, comme par définition, elles sont incertaines. Donc, on ne pourra pas les combler. Donc, la seule façon de passer au-delà, c'est justement de trouver une activité. Et il y a d'ailleurs une remarque qui est faite dans l'auditoire, en disant, bah tiens, c'est peut-être justement un moyen, une occasion de prendre du recul et de revoir son orientation professionnelle, peut-être changer de métier. Alors, David nous parle des Bullshit Jobs, le fameux livre de David Graeber, je ne sais pas si vous l'avez lu, Bullshit Jobs. C'est assez déprimant, mais enfin, vous pouvez lire les 50 premières pages, elles sont suffisantes. Hervé, non, je voulais juste dire que je voulais peut-être non pas conclure, mais en tout cas on approche de l'heure de webinar. On a commencé à l'heure et je souhaiterais qu'on puisse peut-être finir à l'heure aussi. Mm-hmm. Donc je vais juste vous remettre effectivement la partie baromètre. Ma conclusion un petit peu de ce webinaire, c'est de vous dire aujourd'hui il y a des moyens de faire avancer les choses. On ne sait pas exactement quand est-ce que tout ça va finir. Par contre, on sait quels sont, avec le baromètre en tout cas, quels sont les secteurs qui vont bouger et on vous donne la possibilité d'interagir. La deuxième chose, et je suis un peu comme l'inspecteur Colombo, vous savez, c'est celui qui dit à chaque fois « Attendez, j'ai une dernière question » et qui dit « Oui, d'ailleurs, ma femme m'avait pensé à dire, etc. » Donc, je vais reparler un peu aussi de ma femme, qui est, encore une fois, je rappelle, qui est psychiatre. Elle me dit, en fait, dans des cas de dépression, alors humaine, mais aussi là, c'est une dépression économique, de manière globale, l'important, ce n'est pas tant d'apporter des réponses, mais c'est de se poser des questions. Parce que les questions font grandir, les questions font avancer, et les questions permettent une certaine remise en cause. Et vous verrez qu'en se posant des questions, finalement, on arrive à peut-être trouver des solutions auxquelles on n'avait pas pensé avant. L'hôpital avec le télétravail, avec les téléconsultations, les sondages, potentiellement nous, avec les aspects entraide qu'on donne au B2B, chacun a des moyens d'aider son prochain, d'aider son client, et le client est au centre de tout.
Donc, si on peut l'aider et le mettre en avant, on l'a aussi fait, nous, sur nos sites Internet, puisque derrière, on met en avant, pendant cette période de coronavirus, l'ensemble des clients que nous avons qui ont aussi quelque chose à apporter à la communauté B2B. Donc, on a toute une partie qui dit nos clients sont excellents. Il faut trouver des choses qui aident nos clients et qui font que du coup on puisse avancer. Voilà, c'était ma conclusion en trois points. Peut-être que. Merci Hervé. Ouais. Peut-être un mot de conclusion de la part de Laurent, Cyril et Hervé. Peut-être Laurent en premier. Allez, moi j'irai. Je retiens et je suis plutôt assez d'accord, c'est que il faut être agile. D'un ancien monde va en être à nouveau. D'anciennes habitudes, d'anciennes certitudes vont en être des nouvelles. Je pense qu'on a tous voulu faire du télétravail. On se rend compte peut-être aussi aujourd'hui des limites du télétravail. C'est pas blanc, c'est pas noir, voilà, et que globalement il faut être agile et sortir de ces certitudes pour positivement avancer. C'est un peu ma conclusion. Merci Laurent. Effectivement, restons positifs. Cyril. Moi, comme j'ai tout à l'heure dans le chat, je pense qu'une crise, ça possède beaucoup d'opportunités. Je n'ai pas lu un seul article de pseudo-expert prospectiviste positif, négatif, entre les catastrophistes et c'est une super opportunité. On va changer de monde. J'ai beaucoup plus lu des articles de dirigeants sur la manière dont ils voyaient la crise et la sortie de crise. Ça me paraissait plus pertinent que d'aller lire des pseudo-experts qui ne sont pas plus experts que moi sur le sujet. Moi, la crise a mal commencé. Comme je disais, Hervé, quand il m'a contacté il y a quelques jours, en prenant des nouvelles très gentiment, j'avais quasiment, je crois, 300 cas de vie signée le 5 mars et zéro le 15 mars. Et derrière, en fait, il y a eu énormément d'opportunités. Et en fait, voilà, pour moi, clairement, cette situation, il y a aussi plein d'opportunités qui se sont créées sur des trucs absolument imprévus au départ. Voilà, donc c'est pas, il y a aussi, un client me disait, oui, de toute façon, il y a, par rapport à une crise, il y a ceux qui savent rebondir et ceux qui se laissent abattre par le sujet. Et c'est aussi une question, d'état d'esprit, de mentalité. Mais voilà, moi, je suis peut-être totalement illuminé, mais j'ai du mal à voir la catastrophe. Je suis un petit peu comme Hervé Gonnet. Je préfère garder un message positif et dire que c'est une opportunité, une manière de repenser les choses et de revoir les choses plutôt que de dire que c'est la fin du monde. Bien. Bon, toujours un message positif, c'est bien. Désolé, parce que c'est bien qu'il y a démarré il y a 3 minutes, que j'ai le co-anime, mais je suis très en retard. Donc, il faut vraiment. Oui, pas de souci. De toute façon, on est en train de boucler. Merci beaucoup. Dernière parole. Ce n'est pas effectivement. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. C'est le début d'un nouveau monde. Il sera ce que vous en ferez. Merci Hervé. Merci tout le monde. Humanité. Là où il n'y a pas d'homme. Bonne journée. Restez positif et à bientôt. Bonne journée.